Bonjour à tous, ici AKTTMC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode numéro 8 sur Super Mario 64 les boys. Eh bien écoutez, il est temps d'aller faire le dernier niveau du premier étage avant de se rendre finalement au deuxième étage tout simplement. On va aller faire le monde du feu aujourd'hui, donc le Lethal Lavaland. Tout simplement, je pensais que j'allais pas le faire finalement, mais vu que c'est le dernier niveau finalement il me semble en tout cas du premier étage, autant aller le faire. Allez, il est juste là. Regardez comme ça fait flipper, quoi. Tu vois cette flamme là, un peu démoniaque là. Ça fait flipper. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, il est assez simple ce monde. Il suffit juste de pas trop tomber dans la lave. Parce que vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de hauteur, c'est que des plateformes. Donc au final, voilà, easy. Donc on va y aller tranquillo. Sans se cramer, bien évidemment. Voilà, et là, normalement, je sais pas si c'est celui-là, mais. Ils sont un petit peu capricieux, ces saloperies de bonbombes là. Parce qu'en fait, il y en a trois. C'est chiant. Ah, ils veulent me faire tomber, hein. Ils veulent me faire tomber, mais je vous aurai. Je vous aurai. Attendez, vous savez comment faire? On va attendre qu'il nous charge ici, là. Voilà, vas-y, viens. Viens. Viens voir papa. Viens, toi là. Vas-y, viens. Eh oh, je suis là. Allô. Vas-y, viens. Eh oh. Allez, hop. Le dernier. Tu veux te fighter, c'est ça? Vas-y! Allez! Que le meilleur gagne! Yeah! Ok, du coup, ça fait apparaître le gros beau bombe. Alors lui, par contre, il risque de faire mal. Eh, regarde, je suis là. Eh oh! Vas-y, viens! Voilà, tout simplement. Il suffit juste de le brain et puis il tombe. Alors je sais pas si c'est la première étoile, par contre je pense que c'est plus la deuxième parce que je suis parti un peu loin quand même. On va vite vérifier. Il était sympa ce petit combat là contre les bobons de taureau là. Ah non, c'était la deuxième, d'accord, ok. Ok. Donc finalement il y a encore une autre arène. Elle est pas ici, je crois qu'elle est de l'autre côté hein. Elle est plus par là en fait. Ah, j'ai glitché dedans. D'accord, ça marche. Ah merde. On a une étoile rapide. Ok, bah au moins on aura fait les pièces rouges. Ah, je vous dis, cet épisode risque d'être assez court. On verra. Bon là, je pense qu'on a fait la quatrième. Troisième. On a fait la troisième, ok. Bah, j'ai toujours pas fait la première. Est-ce qu'elle serait là-bas plutôt? Oh. Est-ce qu'elle serait pas plutôt ici, là? Oui, là. Vas-y, viens. Oh, alors, attends, t'auras pris cher. Hein. Oh! 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 Oh!
Tiens. Mange. Ok, bah c'était pas celui-là. Lequel ça pourrait être? Ça pourrait être celui-là. Celui-là ici? Bah... En vrai, est-ce que je peux y aller déjà? Ah! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est lui. Ah, easy, hein. J'ai pris un peu cher, mais ça va. Voilà. Là, on a fait la première. Ok, nice. Hop. Maintenant, il s'agit d'aller là-bas derrière. En passant par là. En attendant que ça s'arrête de brûler. Par contre... ouais, c'est par là qu'il faut aller. Hop, il faut aller sur les espèces de grilles là. Voilà. Et en faisant bien attention de pas se bouffer. C'est geyser de feu. Oh merde, merde. Heureusement, j'ai dit qu'il fallait faire attention. Du coup, je vais peut-être pas pouvoir faire ma technique d'aller dans le feu. Dommage, c'est pas grave. Alors logiquement, ce qu'il faut faire là, c'est le faire avancer dans l'autre sens. Oh putain. Non, 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 non. Ok, c'est bon, j'y suis. Alors là, je me chie une seule fois là, c'est bon. J'ai plus de vie les mains. J'ai plus de vie. Et j'ai les mains tellement moites, c'est incroyable. Ce genre de niveau là. Aïe 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 aïe. Save and continue. Oh yeah. Allez, cinquième étoile, tout simplement en plein centre. Faut aller dans le volcan en fait. Merde. Voilà. Et donc là, il faut faire attention de pas trop toucher la lave. Ah, il y a des bonbons de taureau, faut faire gaffe. Oh shit! Ah, ah bah, je suis mort. Ah, je l'avais oublié celle-là. Je l'avais complètement zappé celle-là. Bah, c'est pas grave. Ah, ah bah, on revient ici? Ah, on a pas besoin de se retaper tout le chemin. Ah, c'est classe ça. Ah bah, écoutez, un épisode sans fail n'est pas un vrai épisode, hein, vous le savez. Bon, maintenant que je sais qu'il y a cette connerie, là, regardez. C'est fourbe, hein. Parce que tu vois le truc qui dépasse là. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors attention. Ok. Donc là, on se place bien comme il faut. Alors je pense que là. Voilà, nickel. Et après. Comme ça. Nickel, on est à 50 étoiles. Voilà. Yeah. Donc là, il nous a dit qu'on a 50 étoiles, on peut ouvrir la porte, j'imagine, principale, je crois, un truc comme ça. Mais nous, on sait pas ce qu'on va faire, parce qu'on veut faire quand même au moins tous les niveaux, ça serait cool. J'ai pas envie de bâcler le jeu, hein. C'est pas le but non plus. Hop. Là, au lieu d'aller ici, il faut aller là. Ah oui, ce monde, je le connais par cœur. Hein. Je vous dis, hein, y en a que je connais par cœur et il y en a que je connais pas.
Parce que quand j'étais petit, j'arrivais pas à les faire, donc forcément je les bâclais en fait, je les sautais et j'en faisais d'autres. J'ai fait un qui est quand même assez dur quand même, parce qu'il faut quand même pas tomber dans la lave. La lave en général dans les Mario ça fait un peu peur, surtout avec la musique qu'il y a derrière, mais voilà, c'était pour dire. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je connais pas, donc... Quand ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué. Donc là, il suffit juste de... continuer à monter, tranquillou. Ok. Te chie pas. Hein. Ok. Alors là, par contre, je préfère faire une safe tête parce que c'est pas que c'est un peu la merde. Mais si tu te chies. Voilà, nickel! Nous avons terminé le monde. Oh yeah! Nice! Et ben voilà, le monde est terminé. On peut encore aller vérifier, hein. Mais logiquement, il est terminé. Voilà. Toujours 6 étoiles par monde. Hop, on peut exit la course. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner nouveau dans la cave. Parce que j'ai vu une porte avant, là. Elle m'intrigue un petit peu. On va pas s'arrêter là, quand même. Attendez, voilà. C'est ici. Je vérifie quand même pas qu'il y a un autre niveau, hein, qu'on a oublié de faire. Mais selon moi, il y en a que deux là-dedans. Donc là, il y a celui-là. Qu'on vient de faire. Et là, il y a une porte ici, vous voyez. Je crois que j'y suis jamais allé. Ah! Alors ça, les amis, c'est le niveau qui va nous permettre de débloquer la casquette métallique. Enfin, la casquette métal, quoi, tout simplement, pour avoir Mario Metal. Et t'as Toad qui nous donne une étoile. Alors, ça, il fallait le savoir. Vous lui parlez et puis il vous donne une étoile. Ah bah ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce truc, tout simplement. Je crois qu'il y a qu'une... Non, c'est la course suisse, c'est la course 6. Ah, on va pas le faire maintenant, on va le faire dans un autre épisode, malgré le fait qu'il a été très court cet épisode, j'en suis navré. Mais bon, écoutez, ça change un petit peu, on fera un épisode un petit peu plus long la fois prochaine, tout simplement. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Il aurait été bien sympa. Moi, je pense que très clairement, je vais tourner un épisode à la suite parce qu'il aurait été quand même très court celui-là. Et peut-être que je vous mettrai carrément deux épisodes dans la journée. Hein, là, ça va. Voilà. Bah écoutez, sur ce, les amis, en fait, je préfère faire un épisode par monde. Bah comme ça, c'est propre, tu vois, ça fait un épisode propre. Parce qu'imaginez, là, j'aurais commencé celui-là. Il aurait été trop long, j'aurais galéré. L'épisode, il aurait fait 50 minutes, tu vois, même avec les cuts. Donc je préfère faire des épisodes... à chaque fois où il n'y a qu'un seul monde dedans, plutôt que d'en faire deux et j'y arrive pas, je galère, ça dure trop longtemps, etc. J'ai vraiment pas envie de faire des épisodes mal propres, tout simplement, voilà. Je me comprends. Bref, sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. C'était Iconite and Sex War for the next episode. Oh yeah!